Bonjour à tous. Voilà, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu ce que peut représenter la sophroanalyse, la thérapie de la vie intra-utérine. Et des fois, ça peut paraître extrêmement mystérieux. Et j'ai eu, suite à la vidéo que j'ai fait, que j'ai postée la semaine dernière, une demande mais de cette vidéo, puisque voilà, j'ai des demandes mais qui ne sont pas toujours liées à la vidéo, évidemment. Et donc, beaucoup d'interrogations, beaucoup de... j'allais dire de suspicion, mais de quelque chose d'assez étrange, en disant, avec beaucoup de crainte finalement, avec beaucoup de freins, beaucoup de peur, en disant mais qu'est-ce qui va se passer, comment ça se passe. Alors c'est vrai, je voudrais être beaucoup plus explicite sur le site, mais bon, c'est pas très très grave, on peut toujours me téléphoner pour avoir des renseignements. Et donc pour le fait, je vais aussi vous éloigner de quelque chose que j'ai vécu moi-même lorsque j'étais étudiante en sophroanalyse auprès du docteur Claude Imbert, et je faisais ma propre recherche personnelle. Alors on appelle ça une thérapie ou peu importe, parce que c'est pas de l'ordre de la psychologie ou de la voilà, c'est pas médical, on va dire, en tout cas c'est pas professionnel de santé, et on est plus sur des thérapies brèves, hein, finalement. Et donc voilà, et donc comment ça s'est passé? Eh bien, cette personne m'appelait, je vais encore l'appeler Alice, vous allez me dire. Et super, vachement d'imagination, c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Donc Alice m'appelle et elle prend rendez-vous avec moi. Et donc je dis beaucoup de freins, beaucoup d'inquiétudes, parce que c'est pas non plus une personne qui a eu l'habitude non plus forcément de faire ce genre de démarche, et c'est pas toujours très simple non plus. Et ça peut paraître très nébuleux, on dit mais attends, mais je comprends pas, je suis adulte, donc j'ai 35 ans, j'en ai 50, peu importe l'âge. Je ne vois pas comment je peux avoir des informations, et en l'occurrence cette personne n'avait pas accès aux informations dans sa vie actuelle, donc très délicat aussi pour elle de pouvoir valider aussi les sources de ce qui émerge et de ce qu'il se passe lors de la séance. Et pour ça, j'ai vraiment envie de vous parler de moi, parce que j'ai beaucoup aussi... Alors moi, je vous parle de ça, c'était 2005 je crois. Et je fais donc mon propre chemin avec ma thérapeute de l'époque. Et on est sur une séance sur le contact avec la mère. Alors là, la personne Alice qui m'a téléphoné pour prendre ce rendez-vous, on n'était pas forcément sur ce sujet-là, mais le sujet, en fait, quand vous téléphonez pour prendre un rendez-vous, le sujet, il va évidemment en fonction de la problématique qui vous semble le plus important à traiter et ce qui émerge finalement. Parce que... soit on fait le chemin, vous savez, de je débarque dans cette famille et je connais un peu mon histoire et ma généalogie, et donc bah, je connais les antécédents, et pour le coup, ça a un impact sur moi et j'aimerais vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Effectivement, la vie intra-utérine, si ça émerge, et puis ma propre naissance et les étapes de l'enfance jusqu'à la vie d'adulte que je suis, et tout ce qui a été impacté et redondant par rapport à cette situation qui me semble évidemment handicapante, parce que sinon je ne prends pas rendez-vous. Si je vais bien, encore une fois, vous n'avez besoin de rien à part vivre, vous fiche la paix, aller marcher, danser, chanter, rire, manger, voilà, la vie quoi. Et en général, quand on téléphone à quelqu'un et qu'on demande de l'aide, c'est qu'on a besoin d'aide, donc c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et donc je vais revenir sur moi, mais ce que je voudrais aussi reparler par rapport à Alice, c'est que ça peut être extrêmement déroutant, parce que le sujet de la vidéo, c'est pour moi, c'est vraiment faites-vous confiance. C'est très compliqué, évidemment, entre nos résistances et ce qui émerge, et la réalité aussi de ce que nous ressentons sur le plan émotionnel. Et tout nous parle de tout, finalement. Et lorsqu'il y a quelque chose qui vient à notre esprit sous forme d'image, sous forme de son, ça peut être une phrase, ça peut être un symbole, ça peut être un ressenti physique, évidemment. Tout ça nous parle de ce qui peut nous donner des pistes, alors d'investigation, des pistes de compréhension, des pistes de perspective, des orientations pour nous aider à lever ce qu'il y a à lever. Alors ça se fait en douceur, évidemment, il n'y a jamais de, comment dire, pas dire des mots trop déplacé, mais j'allais dire de violation, en fait, finalement, de l'individu, parce que ce qui émerge est, et il y a de l'émotionnel. Et donc si vous êtes dans une posture où c'est compliqué, où vous n'y arrivez pas, où il n'y a pas à lutter finalement contre ce qui arrive, et puis on prend ce qui est, et il n'y a pas à aller au-delà de ce qui est possible aussi pour chacun d'entre nous, finalement. L'intérêt, c'est pas évidemment d'être alors soit d'aller plus vite que la musique, parce que finalement ça ne sert à rien, on grille des étapes, et dans ces étapes là il y a le chemin nécessaire aussi à l'intégration, l'information, à la compréhension, à peut-être aussi des fois la vie qui nous apporte aussi des formes de réponses
Et tout ça est complètement nécessaire. Et dans le cadre de la séance, aucun intérêt d'aller au-delà des limites de la personne, si tant est qu'elle puisse mettre évidemment, elle le dit la plupart du temps, hein, je sais pas confortable ou j'ai peur, ou, enfin voilà, ça va être évidemment l'expression de la personne. Et donc voilà. Et donc tout ça pour vous dire, faites-vous confiance, parce que lorsqu'il se passe quelque chose lors de prise de conscience, alors ça, évidemment, vous allez prendre rendez-vous, mais peut-être que ce chemin, vous le faites tout seul, mais en général, quand on est tout seul, on n'est pas accompagné. Et quand on n'est pas accompagné, c'est compliqué d'aller au-delà de nos propres limites aussi. Et dans ces limites-là, des fois, on a besoin aussi d'être tenu par la main, tout simplement, et être guidé sur le son de la voix, sur la confiance. Et en l'occurrence, Alice qui m'appelle me dit, c'est avec toi que j'ai envie de travailler parce que je te fais confiance. Évidemment, n'allez pas frapper chez des gens avec lesquels vous n'êtes pas vraiment en phase, ça n'a pas trop d'intérêt. Le but, c'est vraiment d'être dans des conditions et une posture de bienveillance, de sécurité. Vous savez que la personne ne va pas abuser de vous. Vous voyez que le mot, je reparlais de violation émotionnelle, on pourrait dire aussi. Hein, cette espèce de. Des fois, il y a des formes de thérapeute ou de thérapie qui vont des fois aller vraiment dans le forcing, dans le frontal. Voilà, c'est pas mon truc, hein. Donc moi je suis sur un rapport, j'allais dire gagnant-gagnant, mais surtout adulte-adulte, hein, et responsable-responsable, et respect-respect, et donc amour-amour aussi, hein. Y a pas de notion de pouvoir non plus par rapport à l'autre, et de savoir plus que l'autre ce que l'autre est en train de vivre en fait finalement. Et ça aussi, soyez vigilants par rapport à ça, parce que c'est un des travers aussi de certaines personnes qui peuvent t'accompagner et qui sont peut-être pas non plus des fois au clair avec elles-mêmes et qui se mettent dans des postures de thérapeute, quel que soit le titre. Hein. Encore une fois, je ne pose pas de mots en particulier et je ne porte pas de jugement, mais soyez quand même vigilants et dans le discernement par rapport à ce que vous venez déposer chez quelqu'un. Ça dépend ce que le quelqu'un va en faire aussi et dans sa posture. Si vous sentez qu'il y a une espèce de petite alarme de l'inconfort, parlez-en déjà à la personne que vous contactez, ce qui a été le cas avec Alice. Hein, elle m'avait déjà dit au téléphone, voilà, elle avait posé les bases aussi de ses limites dans la mesure où elle craignait depuis des années, ne connaissant pas son histoire, à pouvoir émerger, voir des choses qui pourraient être déroutantes, impactantes. Voilà, ces mots à elle. Et donc ça se discute évidemment en amont. Et puis après, si vous sentez vraiment il y a des warnings de danger, n'y allez pas. Ça, franchement, aucun intérêt de se faire du mal. En fait, on n'est pas là pour ça. Hein. Donc, je reprends le fil. Décidément, les vidéos, elles sont de plus en plus. Bon, c'est pas grave. Donc, je reparle de moi et par rapport au fait de se faire confiance. Alors, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé en 2005 lors de mes séances, qui était donc au sujet de la mère, et il fallait que je puisse reprendre contact avec ma mère. Enfin, il fallait. C'était le sujet qui était évidemment en accord avec ma thérapeute qui s'appelait Elena. Et donc, Elena me dit voilà, et puis forcément, elle me dit quand je vous dis que vous n'êtes pas seule, c'est que vous êtes accompagnée forcément avec le thérapeute, parce que sinon, enfin, ça ne peut pas se faire tout seul non plus. Et des fois, c'est d'une grande clarté, des fois, ça résiste, des fois, c'est pas clair du tout. Et des fois, ça prend des chemins et des méandres auxquels on dit, ouh là là, mais où est-ce que je vais? On ne voit pas le rapport. Mais il y a toujours quelque chose qui émerge et qui donne du sens, en fait, à ce que nous vivons. Et ça, bien sûr, ça paraît. Ce que je vous dis, vous allez raccrocher la vidéo, vous allez dire, ouais, d'accord, ok, j'ai rien compris. C'est quelque chose qui se vit et qui s'expérimente. J'essaie de poser là des bases pour pouvoir aussi vous rassurer, vous expliquer. Mais évidemment, vous n'êtes pas, vous régressez pas dans un corps de petit bébé, etc. On n'est pas du tout sur des thérapies des années 70 où on faisait du rebirthing et où on était quand même dans un état fœtal. On est vraiment maître de la situation, on ouvre les yeux quand on veut, on est vraiment qui l'on est, tout va bien. Il n'y a pas une forme de, encore une fois, de pouvoir aussi sur l'autre. Alors vous savez, on parle des ondes alpha, θ, gamma, etc. Mais là, on est dans une posture qui nous met dans un. Vous voyez, un espèce de confort, de relâchement, de détente et de paix. Alors forcément, on est plus sur cette onde alpha qui va nous permettre d'être tranquille quand on arrive hyper speed parce qu'on a eu du mal à se garer et qu'on a le cœur qui bat et qu'on est affolé, on a 10 minutes de retard. Vous voyez, on n'est pas dans des ondes aussi, entre guillemets, où on peut se mettre dans un état alors pas forcément de relâchement, mais de bien-être, de confiance, la respiration se calme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt dans cet esprit-là. Donc on n'est pas non plus sur de l'hypnose, enfin en tout cas pas dans ce que j'exerce, hein, la thérapie de la vie intra-utérine et des empreintes de naissance. Mais bon, ce que je fais, beaucoup de personnes le pratiquent, hein, ça peut être une forme de sophrologie aussi, une forme d'induction d'hypnose.
régressives ou pas. Enfin, il y a tellement de techniques, je ne pourrais pas toutes les citer, puis je ne les connais pas toutes. Donc, moi, je connais que ce que je pratique. Donc voilà. Et puis, je ne suis pas multi-diplômée ou certifiée de je ne sais quoi. Vous voyez, je me base sur surtout ce qui me parle et ce qui me fait du sens aussi, surtout pour moi, et ce dont je me sens en mesure et en capacité aussi d'accompagner. Et donc là, voilà, on se calme, on se détend, c'est ce qui m'arrive, je le fais, et puis donc bah, il est là, m'induit aussi en me disant, bon ben bah, voilà, le sujet c'est la mer, donc on y va. Et puis j'ai voilà, cette information qui arrive, moi je suis très visuelle, donc je vois souvent des images, et je me vois dans les bras de ma grand-mère. Et là tout de suite, je remets le titre de la vidéo, faites-vous confiance, c'est que je me dis, mais... Non, en fait, qu'est-ce que je fais dans les bras de ma grand-mère? Parce qu'apparemment, dans la séance, je devais venir de... Bah, j'avais quelques semaines finalement, hein, quelques semaines, oui, c'était quasiment après la naissance. Et je lutte sur cette image, je me dis, mais enfin, c'est pas cohérent, je suis la fille de ma mère, je ne suis pas la fille de ma grand-mère, donc je vois pas ce que ma grand-mère vient faire dans cette histoire, en fait. Et puis, la séance continue, donc Elena me guide, m'oriente, enfin, m'oriente dans le sens où elle m'oriente par rapport aux informations que je donne, elle me pose donc des questions, évidemment, 2005, on est en 2023, je me souviens pas de tous les détails, hein. Bref, et elle me dit, donc, quel est le premier, là, enfin, un mot qui te vient, etc. Et donc, le premier mot, c'est abandon. Et je me dis, bon, ok, je ne vois pas trop, en fait, dans cette posture. Et puis, cette image qui revient de moi, tout bébé, dans les bras de ma grand-mère. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Puis bon, la séance s'arrête, on fait un débrief toutes les deux. Et je dis, franchement, je ne comprends pas, quoi. Elle me dit, écoute, c'est pas grave, voilà, bon, on termine la séance. Et puis, j'ai totalement cru sur, c'est parce qu'il fallait que je le fasse pour pouvoir aussi après exercer, donc ok. Et ça, 2005, et puis... Je suis en 2007, quelque chose comme ça, je pense 2 ans après. Je vais voir ma grand-mère que j'ai pas vue depuis des années et je tombe, bon, on discute de plein de choses évidemment, et je tombe, enfin, vous savez, c'est toujours pareil, quand on va voir ses aïeux, on aime bien raconter un peu l'histoire de nos parents, de comment on était petits, etc. Donc, bref, boîte en métal, vous savez, les vieilles boîtes de, je sais pas, de gâteaux, et elle mettait plein de photos. Et donc, on discute toutes les deux, et. Dans cette boîte de gâteaux, il y a une enveloppe. Et sur cette enveloppe, il y a l'écriture de ma mère. Et il y a une colère qui monte, mais un truc de fou, quoi. Et je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi je suis en colère comme ça? Enfin, je suis en train de juste regarder une enveloppe avec l'écriture de ma mère dans une boîte en métal, en fait. Donc, je vois pas pourquoi tu te mets comme ça. Bon, tout ça va très très vite, hein. Et je vois évidemment le tampon de la poste, je vois le timbre et je vois surtout la date. Vous voyez la puissance de l'inconscient, de la mémoire qui remonte, des éléments de la vie qui nous offrent aussi des réponses aussi à nos désarrois, nos questionnements. Et des fois, elle va répondre aussi la vie à quelque chose, des fois auquel on n'est pas nécessairement, pas préparé, mais pas demandeur. C'est-à-dire que moi, j'ai fait cette séance 2 ans avant avec Télénap, c'est dans le cadre de mon travail, voilà, de futur thérapeute. Je fais quand même chercher des choses en moi parce qu'évidemment j'ai toujours fouillé des choses en moi. J'ai commencé à 17 ans avec une psychothérapie, donc je veux dire, c'est pas né de la veille, hein. Et là, je vais dedans et la vie m'apporte des réponses auxquelles je ne suis pas nécessairement pas prête, mais pas préparée à vouloir avoir cette réponse, mais quand même prête puisque ce cheminement-là, je suis prête évidemment à voir la réponse puisque la vie est tellement clémente et tellement bienveillante que même malgré les pires douleurs que l'on puisse traverser dans la vie, et Dieu sait si chacun en vit, on est de toute façon protégé dans cette capacité aussi de pouvoir surmonter ces épreuves-là. Je sais que ça peut être extrêmement douloureux parce qu'il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire, oh, attends, elle est marrante. Je vous rappelle quand même que je fais aussi des vidéos avec aussi des mamans qui ont perdu leurs enfants, qui pour moi, quand même, qui est une des épreuves les plus caractéristiques, hein, la mort, le deuil, l'absence de sa chair. Hein, vous voyez, c'est pas. Et ce sont aussi des personnes qui vivent des états de conscience et de. Alors, résilience, c'est un peu moins un peu indélicat, hein, mais regardez ces vidéos, vous verrez bien. Et voilà, donc je mesure mes propos à chaque fois, je suis vraiment, j'y vais petit à petit, mais quoi que nous puissions vivre, et Dieu sait si nous rechignons à vivre ces épreuves-là, nous avons quand même malgré tout les capacités de le vivre. Voilà, je sais que il se passe plein de choses partout dans le monde et dans notre histoire aussi de l'humanité où il s'est passé des horreurs. Et vous allez me dire, bah ouais, d'accord, ils ont vécu, bah, c'est un peu quand même notre réalité. Donc chaque épreuve, chaque chose que nous vivons dans la vie fait sens.
Voilà, fait sens, on mettra le sens qu'on veut. Moi, je n'ai pas la réponse ni la solution. Je peux l'avoir que pour moi. Et encore, il y a des moments où le sens, waouh, c'est pas toujours, la lecture n'est pas évidente. Donc, on n'a pas toujours les codes, on n'a pas toujours les papiers, on n'a pas avec un tampon dans OK, tu vis ça pour ça. C'est pas vrai. C'est aussi le jeu de la vie. Et c'est pour ça qu'on se fait souvent accompagner ou qu'on vit avec des outils plus ou moins pour soit nous alléger, soit comment dire, nous adoucir peut-être le chemin. Et des fois, ça pète en pleine gueule parce que c'est le moment aussi pour nous de le comprendre, ou tout simplement, ça va peut-être pas assez vite, ou que la vie nous dit, bon, ben allez, ok, ça y est, t'es prêt, quoi. Je reviens à cette lettre. Et je vois la date. Et je vois le 7 avril, ou le 5 avril 1963. Et là, dans ma tête, je fais, oh là là, attends, je suis née le 24 janvier, avril 63, qu'est-ce que c'est? Ok. Donc je me dis, ok, j'ai 3 mois. Et là, j'ouvre donc le courrier et je vois une petite carte avec l'écriture de ma mère, toujours pareil. Et elle s'exclame, donc, chère maman, ou je ne sais plus quoi, je ne me souviens plus très bien, ou maman chérie, enfin bon, peu importe. Et donc elle nous souhaite... Alors, je ne sais plus exactement les propos de cette lettre parce que je ne l'ai pas gardée malheureusement. Donc voilà, ma grand-mère est décédée, j'ai jamais pu récupérer ce courrier, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'empreinte que j'ai gardée aussi. Et donc, elle écrit qu'elle pense très fort à sa mère, etc. Comment ça va, etc. Et donc, elle dit bah, « Je vous embrasse toutes les deux ». Et elle cite mon prénom, mais qui n'est pas Nathalie. Elle m'appelle Tali et toi, etc. Et elle signe de son prénom. Et là, je comprends l'état de colère dans lequel j'étais avec la date. Et je me dis, mais là, c'est pas possible, il y a un gros problème, en fait. Et je regarde ma grand-mère et je lui dis, mais attends, mais il y a un problème, là. J'ai 3 mois, je ne suis pas dans les bras de ma mère. Qu'est-ce que je fais? Tu me gardes? Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans un temps normal, quelqu'un de normal qui n'est pas de problématique particulière voit ce courrier, se dit, ouais, bah écoute, oui, peut-être qu'elle t'a laissé... quelques jours, elle est partie à Paris, enfin j'en sais rien, il n'y a pas de quoi s'exciter ni d'être en colère hein, finalement. Et là, la séance avec Elena remonte dans mon esprit, que j'avais complètement oublié et occulté, et ma grand-mère me répond, bah écoute, bah, tu le sais, ta mère te l'a dit. Je dis, bah, elle m'a dit quoi en fait? Et elle me dit, bah, tu sais, quand tu es née, elle est remontée à Paris, terminer ses études voilà, de sténodactylo, et je t'ai élevée pendant 6 mois. Chose que je ne savais absolument pas, que ma mère s'était bien gardée de taire. Alors pourquoi, je ne sais pas. Voilà, peut-être qu'elle avait honte, peut-être qu'elle a oublié, peut-être qu'elle trouvait que c'était pas important, peut-être que, bref, vous voyez, le sujet aussi, c'est pas forcément d'incriminer ceux qui nous ont mis dans des postures comme ça. Ce qui est intéressant, c'est surtout ce que j'en fais moi. Et ce que j'en ai fait moi, c'est qu'à cet instant-là, j'ai compris que la séance que j'avais faite avec Elena 2 ans avant, où je me retrouvais dans les bras de ma mère, ben, c'était pas le fruit de mon imagination. C'était pas un fantasme personnel. Ça n'était pas une construction mentale que je m'étais co-construite pour rassurer ou pour me faire flipper en me disant « Mais comment ça se fait que je ne sois pas dans les bras de ma mère à 3 mois ?» ou à 2-3 mois, c'était à peu près l'image que j'avais là, dans, enfin peut-être pas 2 mois, mais j'avais quelques semaines, on va dire, dans cette image avec ma thérapeute. Et en fait, là, 2 ans après, tout faisait sens. Et donc, quand je dis faites-vous confiance, quand on a des événements comme ça qui sont parlants dans nos vies, alors, des fois, on ne part pas forcément d'événements connus. Hein. Je dis ça parce que des fois, bah, c'est ce qui revient justement à la vidéo de la semaine dernière, c'est que quand je parlais, je ne me rappelais plus du nom que je lui ai donné, mais bref, cette personne qui m'avait contactée, qui était infirmière et qui disait qu'elle avait retrouvé son jumeau perdu, bah, évidemment, des fois, on n'a pas l'info. Et des fois, c'est en allant fouiller dans soi qu'on émerge quelque chose et que l'information peut aussi être prêt aussi à être bah, décortiqué, délité, et on prend ce qu'il y a, etc. Mais en tout cas, quand on a aussi des sujets de fouillage, ça ne se dit pas, mais vous voyez ce que je veux dire, qui nous handicap, qui nous freine, qui nous blesse, ou peut-être tout simplement dans lequel on n'est pas confortable parce qu'on est en lutte contre ça, on est en colère, on en veut, ou on va remettre à l'autre bah, justement son incapacité à nous donner l'amour dont on avait besoin, ou la protection, ou voilà, que sais-je encore, quand arrivent ces événements-là, et que, enfin en tout cas dans la recherche de thérapie, et qu'il y a des informations, quelles qu'elles soient, vous pouvez aussi avoir du discernement en disant « bon, est-ce que c'est juste ?» etc. Mais
Vous pouvez aussi aller, si vous avez la possibilité de le faire, bien sûr, d'aller demander des validations aussi auprès des aïeux ou des personnes qui pourraient vous donner des infos. Quand on ne les a pas, bah, on fait avec ce qui est et ce qui est, faites-vous confiance. Parce que dans le cadre de la séance, même si ça pourrait paraître justement la construction du cerveau, ça pourrait être quelque chose de complètement chimérique parce que ça n'a pas de sens, que ce n'est pas construit, que ce n'est pas logique, que franchement, on ne comprend pas le fin mot de l'histoire, de l'information qui se présente. Eh bien, si c'est complètement étranger à notre construction mentale, ben, on peut le prendre quand même comme quelque chose d'un indicateur, en tout cas de l'émotionnel qui émerge par rapport à ça. Et on fait avec. C'est-à-dire que même si ça peut paraître le plus farfelu possible, ok, c'est peut-être pas certain, ok. En tout cas, ce qui est certain, c'est l'émotionnel que j'ai par rapport à ça. Et là, souvent, il y a des informations sur lesquelles on peut vraiment se baser parce que le corps ne ment pas. Et quand il y a une émotion qui monte comme ça, de quelque chose de très singulier, le corps ne raconte pas d'histoire. En fait, on ne va pas forcément provoquer une émotion. Je veux dire, il n'y a pas de raison à proprement parler. Vous êtes en sécurité avec votre thérapeute, vous faites ce que vous avez à faire. Et il n'y a pas de raison d'être soit en colère, soit dans la tristesse, etc., etc. Donc vraiment, basez-vous aussi sur ce que vous ressentez corporellement parce qu'il y a des informations qui sont extrêmement importantes. Donc je vais terminer cette vidéo, mais ce que je vais vous dire, c'est que vous voyez qu'il y a des moments, à l'âge adulte que nous sommes, et à l'époque je devais avoir 40, je sais plus, 43, 42 ans, peu importe, mais j'étais déjà bien avancée dans l'âge. Ma mère était vivante, elle ne m'a jamais donné cette information. Je n'ai jamais eu cette information, que j'ai été élevée par ma grand-mère pendant 6 mois. Jamais de la vie, j'ai eu cette info. Donc le fait que je ressente les bras de ma grand-mère pendant toute cette séance, et que j'étais en lutte permanente en disant « ça n'est pas logique, je ne peux pas être dans les bras de ma grand-mère », enfin, réfléchis 2 minutes, quoi. Et cette colère qui est montée quand j'ai vu ce courrier, alors qu'a priori, il n'y a pas de raison de se mettre en colère avec une enveloppe, franchement, même si on voit une date, et que très vite ça va traîner dans le cerveau, et qu'on calcule les dates de naissance, etc., il n'y avait aucune raison que je me mette dans cet état-là, et je sentais que cet état-là était vraiment très très fort. Mon corps m'avait donné une indication qui me disait « mais il y a un truc qui ne va pas ». Et donc j'étais prête aussi à comprendre que là, bon déjà, ce qui a émergé, c'était aussi la colère du mensonge aussi, quelque chose qui n'avait pas été révélé pour moi. Et puis, bah, j'ai eu ce cadeau aussi de vivre cette séance 2 ans avant pour comprendre que bah, justement, je pouvais aussi me faire confiance et que ce qui était là, bah, ça avait aussi du sens pour moi. Et donc, vous voyez, quand j'accompagne aussi des gens qui sont en recherche par rapport à ça, même si les aïeux sont décédés depuis des générations, ce qui est, et j'ai eu de nombreux cas comme ça après, et même pour moi, de choses dont je n'aurai évidemment jamais la source, mais ce qui n'est pas, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est l'émotionnel qui va avec et le ressenti corporel sur lequel je peux me baser pour me dire, ok, si je dois régler ce conflit-là, ça passe par là et c'est ok. Que ce soit l'imaginaire ou de la réalité, ça n'a pas transformé ma réalité. C'est-à-dire qu'après, effectivement, j'ai retrouvé mon véhicule et je vais m'occuper de mes enfants, ou je vais aller faire les courses, ou je vais retourner au travail. Je veux dire, la réalité, elle est ce qu'elle est. Par contre, l'histoire que je me raconte à l'intérieur, l'émotionnel et le nœud qui va se déliter, ou la compréhension, ou le lien que je vais faire aussi dans mon quotidien par rapport à ça, ça, c'est là-dessus que je vais me baser finalement. Mais évidemment, ça passe par notre histoire. Il y a forcément du lien avec quelque chose qu'on a vécu en amont. On n'a pas des réactions, entre guillemets, aussi exacerbées, aussi fragiles, aussi vulnérables, aussi intenses, sans y faire référence à notre histoire personnelle. Ce n'est pas possible, en fait. Les choses ne tombent pas comme ça du ciel. Toutes nos réactions, nos mécanismes, nos racontages dans notre tête, dans notre cœur, dans notre esprit, sont sourcé par quelque chose que l'on a évidemment interprété, vécu, transformé, peu importe, mais il y a un terreau qui vient d'ailleurs, c'est évident. Alors que ça nous appartienne ou pas, on s'en fiche. Qu'est-ce que j'en ai fait après et qu'est-ce que j'en fais maintenant? C'est ça le truc. Et après, c'est faire le lien. Alors, ok, 3 mois, vie intra-utérine et tout, mais ok, 42 ans, 53, 29, et qu'est-ce que j'en fais? C'est ça qui est vachement intéressant. Parce que si on reste cristallisé là-dessus, bah ok, bah, ça ne fait pas avancer chemin biblique en fait. Hein. Parce que si je reste sur ma colère du « ma mère ne m'a pas dit », etc., elle m'a abandonné, patin couffin, elle ne m'a pas dit, l'abandon, tristesse, chagrin, rejet, douleur, victime, tout le bazar qui va avec, ok, mais je ne vais pas vraiment évoluer en fait. Et le but, c'est de dire, ok, ça émerge. Mais comment je le relis là dans mon quotidien et comment je tire les fils sur le,
toujours là en fin de vidéo, vous avez remarqué. Ouais. Et comment je tire le fil sur ma relation à mon mec, à ma copine, à ma chérie, ma relation à ma mère, à mon boss, ma collègue, mes enfants. Et voilà, vous voyez, c'est ça qui est vachement intéressant, parce que si on reste que dans le marasme et la glauquerie du passé, aller fouiller pour les fouiller, je ne vois pas trop l'intérêt finalement. Ce qui est intéressant, c'est que dans le fouillage et dans le farfouillage, c'est qu'il y a des choses qui émergent et qui prennent sens dans ici et maintenant. Et ouais, on est d'accord, parce que sinon ça n'a pas de sens finalement. Aller mettre le main dans le cambouis et refaire sortir des émotions comme ça, voilà, c'est évidemment qu'il y a une demande au départ. Il y a un malaise, il y a un mal-être, il y a des interrogations, il y a un truc qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, mais on sait un peu, mais ça fait chier, mais on ne sait pas, mais quand même, ce serait bien que. Ou il y a des choses qui se répètent tout le temps depuis longtemps et on se dit, ah, quand même, il va falloir que j'arrête. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est pas de rester là-dessus. Là-dessus, on se base là-dessus pour émerger autre chose. Et l'autre chose va nous servir, évidemment, et on va se donner du temps, bien sûr, pour faire le lien entre cette émergence émotionnelle et ce besoin de m'alléger, de me libérer, de passer à autre chose et de franchir des étapes dans nos vies. Et tout ce que l'on fait dans la vie est fait comme ça, finalement. Les rencontres, les non-rencontres. Voilà, bon, j'ai fait ce live avec Philippe Taon jeudi. Bah voilà, c'est pareil. Tous ces rapports qu'on a à l'alimentation, à la solitude, à ce besoin de combler, de se remplir, tout prend sens finalement. Et on peut aussi bien sûr l'isoler et dire bon bah voilà, c'est que ça, ok, on fait ce qu'on veut, rien ne nous oblige à rien finalement, on n'est pas obligé forcément de consulter non plus, mais on n'est pas obligé non plus d'être malheureux toute notre vie, voilà, hein, on est libre, on est grand, et on n'est pas obligé non plus d'emmerder le monde avec nos histoires, entre guillemets, hein. Ce que je veux dire, c'est que quand je vais pas bien et que je fais pourrir tout mon environnement avec ça, c'est qu'il y a un petit problème aussi, c'est que je me rends pas compte non plus que je suis toxique et que voilà, ça va pas. Et donc après, ça fait des relations aussi délétères dans nos relations avec nos enfants, avec qui on va calquer des trucs dont ils ne sont absolument pas responsables, etc., etc. Vous voyez, c'est aussi le sens de mon travail que quand vous allez sur ma page d'intro sur le site internet, je mets une vidéo que j'ai fait comme un champignon un matin. Vous voyez, ça a du sens tout ça, ce que je fais, la sophroanalyse, les fleurs de Bach. Pour moi, c'est le sens de ma vie, en fait. Hein. C'est d'aller comprendre aussi d'où je viens pour naître aussi à moi-même avec une forme de... potentiellement de libération et de liberté d'être, en fait. Hein. C'est que ça, en fait. Et la vie, bah, elle est faite que de ça, finalement. Et tout ce qu'on va faire, que ce soit nos jobs, nos hobbies, nos quêtes, nos recherches, nos désarrois, nos déboires, nos joies immenses ne parlent que de ça. Donc, bon, bah voilà, allons-y. Et puis, allons-y en confiance, en sécurité, en sérénité. Et encore une fois, dans la bienveillance. Hein. C'est quand même le plus important. Et d'être aussi dans une forme de compassion à l'égard de soi-même aussi, pour pouvoir aussi s'élever sur le regard qu'on porte sur nous. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire dans le cadre des séances. Hein. Vous voyez, c'est aussi la posture qu'on a sur nous dans ces moments-là. Et ça, c'est très élevant, parce que le but, c'est d'être bien avec soi. Quoi. Et ouais. Donc, je vous dis bon dimanche et à dimanche prochain. C'est pas la peine de me mordre. Hein. N'importe quoi. À dimanche prochain. Thank you.